Putain, ce serait tentant là. Plus lui, il peut invoquer des secours. Le chariot élévateur, mais il est un peu trop près. Il y avait l'ascenseur là, il y avait un ascenseur, il était ouais, bien positionné, c'est vite dit. Faudrait que j'arrive à trouver. Ah d'accord, il est là le mastodonte. Des explosifs sur lui, je peux le faire péter. Mais bordel, j'en ai jamais utilisé des comme ça! Comment ça s'arrête? C'est confirmé! J'aime pas les bombes! Que le mastodonte, je tiens à l'avoir. Là-bas, il y en a. Qui est ce mec-là? Oui. Ok. Juste me mettre à l'abri quelques minutes. Bon. La map. Ok. Je vais zoomer juste un petit peu. Je peux y accéder par derrière au pire. Je vais essayer d'accéder par derrière. On verra bien ce que ça donne. Si je crève, ben je crève. Je sais que je suis un petit peu long, mais en même temps c'est un jeu où faut vraiment. Tiens, je peux passer par là. Oh. Attendez, c'est un truc à pirater. Qu'est-ce que je m'emmerde, moi? Allez. Il suffit juste que je remonte encore. Oui, j'ai le mastodonte.
nettement plus nombreux là. C'est dommage qu'on puisse pas sauvegarder à tout moment. Un de plus, deux de plus. Ok, lui il a une caméra interne. Oh, s'il a une caméra interne. Oui, vas-y. Tu vas voir par ici. Attention! Oh, y a rien ici. Je continue. Non mais qu'est-ce que tu veux aller voir par là, mec? Allez, hop, dégage. T'es trop con, dégage. Ils sont partis où? Ils sont tous les trois là-bas. Qu'est-ce qu'il me reste à faire exploser? Qu'est-ce que je peux encore faire exploser? Là-bas j'ai une protection. Là-bas j'ai une autre caméra. Là-bas je peux faire exploser un truc. Est-ce que je peux faire diversion pour ensuite les faire exploser? Apparemment oui, j'ai deux choses à faire exploser, mais allez, rapproche-toi, rapproche-toi, mort à l'hameçon. Rapproche-toi encore un peu. Allez! Je peux rien faire, allez. De toute façon ils sont plus trop gus. Je veux dire, si j'ai envie de me les faire, je peux me les faire. Oh putain, je peux le faire péter. Il est où? Non, je pouvais pas le faire péter. Mais... Ah putain, si je peux. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ah putain, mais non, rapproche-toi. Allez, 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 allez. Non, reviens, reviens. Vas-y, vas-y. T'as de la chance.
putain, en fait, le mastodonte, je l'ai bien défoncé, quoi. Bon. La pêche ici, c'est cool. À travers en fait. Bon allez. Vous savez quoi, on va procéder comme ça. Je vais les attirer là. Et il m'en reste plus qu'un. Bah, il m'en reste combien? Il m'en reste plus qu'un. Bon. Allez. J'espère avoir assez de temps sur mon disque dur, parce que je vois que l'heure tourne et puis... Non, c'est juste de la fumée. Ok. Ok. Ah, elle est classe la musique là.
Ah merde. Oh non, putain. Allô? Il faut faire venir quelqu'un là, allez vite. Activé. Je vais te faire sortir de la route. Oui, faire trouver rapidement. Allez. Oh putain, je hais les courses poursuites. J'aime pas les jeux de voiture en général. Alors là, les courses poursuites. Non, c'est les jeux de poursuite qui sont sympas, voilà quoi. Des petites phases, mais. Ça y est, je vais encore canner. Allez, vas-y, tue-moi, putain. Ah, fais chier. Non, j'ai horreur de ces moments-là. Bah voyons, je suis même pas en bagnole là. Allez, laisse tomber. Allô, il faut faire venir quelqu'un là, allez vite. Plus dur s'il te plaît, plus dur. Vas-y, hésite pas, encore plus dur. Il a trouvé un moyen pour le neutraliser. Non, je pensais qu'il prenait le pont. Eh merde. Bon. On
Savez, j'ai pas besoin de vous pour me foutre trop tard. Hein. C'est pratiquement mort. Mais il est où? Et où il est passé? Ok, dégage. Merci, au revoir. Non mais vas-y, hein, passe à travers les murs, passe à travers tout ce que tu veux. Vas-y mec, pas de problème. Putain de merde. Non, là, faut pas déconner, quoi. Non mais j'ai n'importe quoi avec ma caisse. Putain mais les caisses elles sont aussi. Elles sont moins savonnettes mais elles sont aussi dures à contrôler que dans Far Cry. Et c'est en train de me gâcher tout le jeu. Je vous jure que c'est en train de me gâcher tout le plaisir du jeu. Les voitures comme ça qui sont incontrôlables, je vous jure que ça me tue le jeu. Allez, vas-y, suis-moi. Attendez, je fais juste une petite recherche pour être sûr de pas dire conneries. C'est bien ça. Donc ok. Donc le gros point noir d'Ubisoft, c'est le même que dans Far Cry 3, parce que je viens de vérifier si c'était bien Far Cry 3 qui avait développé, enfin si c'était bien Ubisoft qui avait développé Far Cry 3. Chez Ubisoft, les véhicules c'est de la merde. Voilà, c'est dit.
Vous savez que je suis un grand fan d'Ubisoft, mais là sur les véhicules, il chie à mort. Non mais sérieux quoi, vous avez vu ces virages quoi, je suis obligé de... Et pour faire des virages, je vais être obligé de... Ah non, faudrait faire des virages au frein à main en fait. Ouais. Bravo le virage au frein à main. Bon. Oh putain, j'aurais pu me neutraliser. Oh et oh, bah, faut lui stopper. Allez, on lui rentre dans le cul. Putain. Et pareil, pourquoi je peux pas tirer en conduisant? Dans tous les jeux pratiquement dans le genre, on peut tirer. Mais... Je vous emmerde les mecs. Allez. Je vais l'encastrer. Bon allez, hop, je suis mort. Merci, au revoir. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible ce genre d'émission. Sérieusement, c'est pas possible. Dernier essai. Dernier essai après je rage quitte. Je vous dis, je rage quitte. De toute façon mon disque dur va pas tarder à être plein. Allez. Allez, 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 je peux y rentrer dedans là maintenant. Allez, dégage. Joue pas au con avec moi, Aiden. J'ai pas été clair. Si jamais tu touches à Jackson. Ah, ça. Un de mes employés a voulu en faire trop. T'inquiète, ton neveu m'intéresse pas. Mais si tu déconnes encore une fois... Ferme-la. Je veux parler à Nikki. Attends un peu. Tu crois que tu peux me demander des trucs? Tu lui parleras quand tu me donneras quelque chose d'utile. Suis cette adresse IP et on se... Ok.
Mission accomplie. Ouh. Bon écoutez, moi je vais aller faire une pause. Hein. Sincèrement, je vais aller faire une pause. Parce que là j'ai eu deux missions qui m'ont vraiment énervé. Donc ce qu'on va faire. Puis retracer une adresse IP, c'est pas compliqué. Bon bref. Et bon, on va parler de ça rapidement. Je vous en parlerai. Là, pendant le trajet, on va parler de ça si vous voulez. Si vous voulez savoir comment on retrace une adresse IP, c'est assez simple en fait. En fait, quand vous êtes sur Internet, votre ordinateur, ou plus précisément votre box, a une connexion à une adresse IP pour pouvoir se connecter. Évidemment, cette adresse IP là peut vous identifier. La seule personne qui a la liaison en fait entre votre adresse IP et votre réelle identité, c'est votre FAI, votre fournisseur d'accès Internet. Donc Orange, SFR, Bouygues, voilà. Parce que c'est eux qui vous attribuent les adresses IP. Et par conséquent, c'est eux qui sont capables de dire, ben, cette personne... d'accord, ok, c'est là qu'il faut aller. Par exemple, l'adresse 82.100.100.100, on va dire, appartient à Michel Dupont, on sait rien, voilà. C'est le FAI qui le sait. Pour retracer quelqu'un, pour avoir l'identité derrière l'IP, légalement, il n'y a qu'une seule solution, c'est porter plainte auprès de la gendarmerie. La gendarmerie va faire une demande auprès d'un juge pour demander au FAI de donner l'identité de la personne qui est liée à l'adresse IP à telle date et à telle heure. Donc c'est une procédure judiciaire. C'est obligé de passer par une procédure logicielle légalement. De façon illégale, il faudrait réussir à pirater la base de données du FAI. Mais voilà. Sinon, des informations sont déjà prédisponibles. Il y a les services de Whois sur Internet. Whois, ça vous permet à partir d'une adresse IP, d'au moins avoir le pays et à peu près la ville. Et c'est juste, moi j'avais fait des tests, c'est juste à une quarantaine de kilomètres près. En retraçant plusieurs services, à 40 km près, vous avez la localisation de la personne. Vous n'avez pas son nom, vous n'avez pas son identité, mais vous savez à peu près dans quelle région elle se trouve. Il veut cette victoire. Alors je lui laisse. Je vais retrouver le deuxième hacker et il va libérer Nikki. Moi, il m'arrive régulièrement, hein, comme ça, d'avoir des IP bizarres sur mon serveur. D'avoir des IP bizarres sur mon serveur. Et quand je les retrace, bah oui, ce sont des IP en Russie, en Pologne. Voilà. C'est assez bizarre. Et comme ça, il y a un bout de temps comme ça, j'ai des amis qui, pareil, qui ont un serveur. Et qui se sont fait troller. C'est pas méchant, hein, c'est pas du piratage pur et dur, mais ils sont venus troller. Et c'était des Russes. Ben, ils avaient des IP russes. Donc voilà. Après, il y a toujours moyen de, entre guillemets, camoufler son IP via ce qu'on appelle des réseaux VPN. Bon, on va juste faire cette mission-là rapidement. Saloperie d'affaire Merlot. Ok, Damien. On va voir si ta merde est quelque part. Voilà. Et merde. C'est quoi ce mot? Hé, c'est moi. Tu m'as demandé de venir. Désolé. Je suis un peu tendu, là. Ouais. Viens là.
toujours des ennuis. Une adresse IP? Oui, il me l'a donné. Une IPv6. Tu peux trouver où elle mène? Je comprends rien, là. Aiden, réponds-moi. Je ferai rien tant que tu m'en remets. Il l'a enlevé, Clara. Il utilise ma sœur pour me faire chanter. Oh mon Dieu. Le mec qu'on a tracé. Oui. Damien Brinks. Je peux rien pour toi. Je vais y aller. On se reparle plus tard, quand t'auras fini. Viens par là. Qu'est-ce qui se passe? Bouge-toi les oreilles. Ok, il y avait un QTE, je m'y attendais pas. Bon. Allez, ouvre ta voiture. C'est pas vrai, je voulais faire une pause, moi. Bon. Attendez, juste un instant. Bon, on a encore...